Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Aujourd'hui, cet après-midi, nous sommes à Batimat, mais nous allons parler patrimoine, ce qui n'est pas incompatible. Il y a aussi en ce moment le salon du patrimoine, c'est au Louvre à Paris, c'est ça ? Au Carrousel du Louvre. Au Carrousel du Louvre à Paris. Donc je vous invite de Batimat d'aller voir ce qui se passe pour le patrimoine. Avec moi, Marie-Amélie Tech, vous êtes architecte du patrimoine à Paris. À côté de vous, monsieur Marc-Henri Ménard, vous êtes président du groupe Lefebvre, vous êtes trésorier du GMH. Le GMH, qu'est-ce que c'est ? Le GMH, c'est le groupement. Approchez votre micro. Le groupement des entreprises de restauration de monuments historiques qui rassemble environ 200 entreprises et 9000 compagnons dédiés à la restauration du patrimoine dans de nombreux corps de métiers. Et en face de vous, monsieur François-Xavier Bieuville, vous êtes directeur général de la Fondation du patrimoine. Bonjour. Bonjour. Donc, on va commencer tout de suite. La Fondation du patrimoine, c'est quoi ? Alors, la Fondation du patrimoine, c'est une institution qui a été créée par la loi en 1996. Donc, c'est une volonté du législateur et c'est une organisation qui a pour but d'apporter tout un ensemble d'aides à toutes les rénovations et restaurations du patrimoine non protégé. C'est-à-dire qu'à l'époque, le législateur a constaté que les monuments historiques et les monuments inscrits bénéficiaient d'un régime fiscal et juridique particulier de protection et a donc considéré qu'il fallait mettre en œuvre à la fois un outil et une organisation destinée au patrimoine non protégé pour faire en sorte que ce patrimoine puisse avoir à la fois un statut juridique et des aides fiscales correspondantes pour le protéger. Et donc la Fondation met en œuvre un certain nombre d'outils au nombre desquels le label de la Fondation du patrimoine qui est destiné à protéger le non protégeable. Donc on protège le non protégeable, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au patrimoine historique mais qui n'est pas inscrit ou qui est communal et... En réalité, de quel bâtiment il s'agit réalité, le patrimoine du quotidien et du cœur des Français, parce que c'est du petit patrimoine de proximité, non protégé, c'est une église de village, une halle, une fontaine, une place. C'est une jolie maison qui n'a pas le statut de monument historique ou de monument inscrit et qui pour autant fait partie de l'identité locale et doit être à ce titre pour sa patrimonialité protégée. Alors aujourd'hui on a décidé de parler un peu d'argent, les budgets se resserrent, que ce soit dans les collectivités locales, un peu partout, et l'idée c'est de savoir comment on peut financer et comment on peut essayer de corriger ce manque à gagner et du coup ce manque à construire ou à rénover. Vous, vos sources de financement, quelles sont-elles et est-ce qu'aujourd'hui elles sont en diminution ? Alors nous avons aujourd'hui trois sources de financement. Une première source qui est liée aux grands mécènes qui nous accompagnent dans notre action et qui financent à cet égard un certain nombre de projets que nous leur proposons dans tous les secteurs, espaces naturels, patrimoine bâti, patrimoine automobile, patrimoine vivant. Donc ça c'est une première source qui correspond en gros à un tiers de nos financements et qui est plutôt, on va dire, en voie normale de stabilisation et non pas en baisse. D'accord. Deuxième source, qui elle est en augmentation importante, c'est le mécénat populaire qui passe par les souscriptions publiques et qui permettent aux communes de compléter leur budget public d'une source de financement qui vient de nos compatriotes. Je suis maire d'une commune, j'ai vous disiez tout à l'heure, une fontaine, une porte d'église, quelque chose comme ça à rénover. Je fais appel à mes concitoyens par le biais d'une souscription. Absolument, je fais appel à mes concitoyens par le biais d'une souscription et du mécénat populaire, aux dons, lesquels sont défiscalisables, et je finance une partie de mon opération par un impôt choisi, c'est-à-dire que nos compatriotes choisissent d'affecter leur argent avec une déduction fiscale à ce projet, qui est en fait le projet du quotidien. Vous passez devant votre église et votre halle de village tous les jours, vous choisissez votre quotidien. Et puis dernière source de financement qui sont les successions en déshérence, qui est une dotation que l'État nous remet et qui, elle, est en forte baisse. Et j'ai même envie de vous dire, en baisse brutale, au point de remettre effectivement en cause l'activité de la Fondation du patrimoine de façon durable. Et qu'est-ce qui explique cette baisse est-ce qu'il y a des actions à engager quelles actions engagez-vous ? Enfin, comment essayez-vous de faire comprendre qu'il faut continuer à avoir ces sources de financement. Il y a des éléments effectivement objectifs qui permettent d'expliquer cette baisse. Le prix de l'immobilier en province, qui fait une moindre liquidation pour l'État. Le fait que l'État récupère de plus en plus de successions en déshérence sans actifs, mais avec du passif.
le fait que les généalogistes sont de plus en plus performants pour retrouver le dernier héritier en Amérique ou en Colombie et lui faire hériter de la succession en question. Mais tout ça n'est pas suffisant pour apporter une explication globale. Il y a une forte baisse. Cela menace très directement l'activité de la Fondation du patrimoine, mais pas seulement l'activité de la Fondation du patrimoine, nos partenaires. Tout ce qu'il y a autour, évidemment, tout ce que vous financez aujourd'hui. C'est ce à quoi nous devons évidemment aboutir aujourd'hui dans notre débat, puisque ça touche les architectes, ça touche les entreprises de restauration du GMH. Donc c'est une catastrophe. Annoncé. Une catastrophe annoncée. Alors, je pensais pas, on ne pensait pas, en préparant ce petit rendez-vous, entendre ça, sincèrement. Hein. Et, je crois qu'il faut être très clair avec les choses et qu'elles soient dites. Cette baisse substantielle de nos ressources va entraîner des conséquences importantes, en termes de niveau d'emploi, en termes d'activité des entreprises spécialisées dans le domaine du bâtiment, et en termes de prestations de services, notamment des architectes, qui sont les acteurs essentiels de ces rénovations. Un exemple, je vais récemment dans le département de la Lozère, à Mende, où nous avons un recordman parmi nos bénévoles pour le label de la Fondation du patrimoine, 70 labels par an. Et à l'issue de la cérémonie de repise de plaques de label, nous avons un entretien avec les 15 entreprises qui interviennent. Et trois d'entre elles interviennent au cours de ce débat pour nous dire « mais c'est très simple, nous avons décidé de prendre la parole au nom des 15 entreprises présentes. Si la Fondation du patrimoine arrête son activité en Lozère, nous mettons la clé sous la porte. » On disparaît. Voilà, on disparaît. Les 15 entreprises. Les 15. D'accord. Donc, un gros travail. Une catastrophe annoncée, voilà, il faut dire les choses simplement. Alors, est-ce qu'il y a des solutions, mis à part de ce point de vue-là, la solution semble pas facile, parce que du coup, tout ce que vous nous avez expliqué, et ensuite, c'est peut-être des décisions plus politiques. Bah, la solution, elle appartient non pas aux acteurs du patrimoine, qui sont là pour dire les choses telles qu'elles se déroulent, et pour alerter les politiques. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de solutions qui sont imaginées par les parlementaires, qui font l'objet d'un certain nombre de rapports. Récemment encore, le rapport Eblé... du sénateur Eblé, membre de la Fondation du patrimoine, en tant que membre du conseil d'administration, qui fait un certain nombre de propositions diverses et variées dans un rapport assez fouillé. On a des solutions autres sur le terrain de la fiscalité, etc. Donc il existe des solutions, mais il appartient au pouvoir politique de s'en emparer et d'avoir le courage de considérer que le patrimoine est un élément du bâtiment, et que le bâtiment est pourvoyeur d'emplois et de richesses, et que selon le célèbre adage, quand le bâtiment va, tout va, et qu'il faut reprendre ce dossier à bras-le-corps. Et ça fait quelques années qu'il ne va pas bien. Donc l'idée, c'est de dire que le patrimoine, ce n'est pas seulement sauver le patrimoine. Travailler sur le patrimoine, ce n'est pas seulement sauver la vieille pierre. C'est aussi sauver des emplois, créer des emplois et apporter quelques solutions. Mais c'est bien plus que ça. Agir dans le domaine du patrimoine, c'est évidemment permettre aux entreprises comme celle du GMH de créer de la valeur et de créer de la richesse et de partager cette richesse à travers l'emploi. Mais c'est aussi tout un ensemble de professions qui interviennent comme les architectes. Mais c'est aussi des circuits économiques. Parce que lorsque vous avez un joli circuit d'église, un certain nombre de châteaux restaurés, des bâtiments historiques que l'on peut faire visiter, c'est des circuits touristiques. C'est de la création c'est de richesse. C'est la création bien sûr, de richesse, c'est de la richesse, tourisme. Bien sûr. Donc ce n'est pas uniquement de la richesse directe pour les entreprises qui interviennent sur le bâtiment en termes de travaux, mais c'est tout un ensemble d'emplois et de circuits économiques qui sont créés ou induits et qui créent aussi de la valeur et de la richesse. Certains départements l'ont très bien compris. Alors, je vais me tourner vers vous. En ce qui concerne les financements, est-ce que vous notez aujourd'hui une difficulté spécifique et par rapport à votre activité, tout simplement? Alors on la note surtout dans le patrimoine non protégé et privé, effectivement, où les gens font des études, font budgéter des travaux. Et alors là, le parcours du combattant commence, parce qu'on attend des financements, on attend la DRAC, on attend la Fondation du patrimoine. Et après vient se caler ce calendrier, on va dire, un calendrier fiscal, on fait les travaux au bon moment, pour, etc. Donc ça rajoute un acteur et nous, ça rajoute beaucoup de temps au projet et au calendrier. Beaucoup de temps en projet au calendrier, donc on allonge en fait déjà un processus qui est assez important. Oui. Au sens de l'activité propre, est-ce que vous sentez une baisse d'activité tout simplement Un ralentissement et surtout, on fait beaucoup d'études et les chantiers ne suivent pas en fait. Une fois qu'on a budgété les travaux, on attend des fonds. Voilà.
Du côté des entreprises, même constat ? Même constat, que je partage tout à fait les points de vue qui sont exprimés. Portez votre micro. Nous les partageons, ces points de vue, tout à fait. La situation est assez catastrophique. Il y a une baisse continue de l'intérêt que l'État, les gouvernements successifs ont porté au patrimoine. Et aujourd'hui, on atteint un niveau qui n'a jamais été atteint auparavant, avec beaucoup de pertes d'emplois, beaucoup de pertes de savoir-faire et beaucoup de dégradation et de destruction sur les édifices. Parce que ça aussi, on en parle, parfois on l'oublie, c'est que ce qu'on n'est pas en train d'investir aujourd'hui, il faudra faire beaucoup plus demain pour remettre ces monuments en état. Oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, on retarde des travaux d'entretien pour finalement, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, faire des gros travaux de restauration qui sont beaucoup plus lourds à financer et qui vont coûter beaucoup plus cher. Quelle source de vous vouliez peut-être dire quelque chose par rapport à ça. Quelle source de financement vous voyez auprès de vos clients? Alors, pour ceux qui ont un bâtiment protégé, qu'ils soient inscrits ou classés, donc la première source de financement vers laquelle on va se tourner, c'est la DRAC, qui peut subventionner jusqu'à 40% sur un classé et puis de l'ordre entre 10 et 15% sur un inscrit. Donc ça, c'est la première source de financement, mais 10%... constatez bien que ce n'est pas suffisant parfois pour des propriétaires privés pour arriver à subventionner leurs travaux. Et après, ils passent par la Fondation du patrimoine. Puis il existe aussi un maillage d'associations sur le terrain qui œuvrent beaucoup aussi pour le patrimoine rural, pour le patrimoine aussi non protégé. Bon, quand on habite dans les grandes villes, on voit parfois des grandes bâches avec de la publicité. Est-ce que ça, c'est une nouvelle source de financement? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce que vous y voyez un intérêt? Alors c'est oui, mais c'est réservé à des sujets très spécifiques. C'est réservé aux grandes agglomérations, aux grandes façades très visibles du grand public. Et c'est quelque chose qui est quand même critiqué et qui est soumis à autorisation et à critique et à discussion. Donc oui, c'est une source de financement alternative, mais très réservé vraiment à une élite des grandes métropoles, des grandes agglomérations, et ça peut pas faire de travail, ça peut pas agir sur le patrimoine rural non protégé et sur le patrimoine rural et sur les petits centres urbains. Donc c'est quelque chose qui est déjà en place, qui pourra pas se multiplier beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. C'est déjà quelque chose qui est critiqué par toute une catégorie de personnes qui trouvent que c'est une pollution visuelle, ce qu'on peut comprendre d'un point de vue esthétique. Mais c'est quand même une source de financement alternative intéressante, mais encore une fois, qui est vraiment réservée aux grands centres urbains. Ça ne compensera pas tout ce que les gens ne peuvent pas percevoir par le biais de la Fondation du patrimoine. Ça va concerner effectivement Paris, les grosses agglomérations, les grandes places, la Concorde, la place des Vosges. Voilà. Un projet labellisé Fondation du patrimoine, ça veut dire quoi pour le financement de l'opération? Ah bah c'est très simple. Lorsque une personne privée souhaite intervenir sur son bâtiment, qu'il soit résidence principale ou résidence secondaire, ou que ce soit même un accessoire de la résidence secondaire, dès lors qu'il est visible de la voie publique, il peut faire des travaux avec un accord de l'ABF, puisque nous intégrons toujours dans notre procédure un accord de l'architecte des bâtiments de France. Il peut faire des travaux sur la toiture et la clôture. Et un dossier moyen de label actuellement, c'est 50 000 euros. Et sur ces 50 000 euros, il va pouvoir déduire un certain nombre de travaux éligibles. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail des travaux éligibles. Sans rentrer dans le détail, mais avoir une idée de... Ça, il peut déduire jusqu'à 50% de ces travaux éligibles, voire 100% sous certaines conditions. Donc, c'est une aide directe, importante, non négligeable, déclencheur de la décision, et qui est pourvoyeur d'affaires pour les entreprises qui interviennent en la matière et pour les architectes qui accompagnent ces projets. Alors, on a vu tout à l'heure avec vous, vous disiez que la souscription était quelque chose qui était en train de se développer. Oui. Ça se développe de manière très importante. Est-ce que ce serait capable, est-ce qu'on pourrait compenser la perte que vous avez d'un côté avec la souscription, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est pas... C'est deux choses totalement différentes. C'est deux choses totalement différentes. La souscription est un moyen très utile pour les collectivités de développer des tours de table financiers leur permettant de restaurer leur patrimoine public. Donc quand on lève entre 13 et 15 millions d'euros, on a évidemment une capacité d'intervention, mais c'est de l'argent totalement fléché vers le projet public. Voilà. Donc ça ne constitue pas pour la Fondation du patrimoine une ressource de fonctionnement. Or, aujourd'hui, lorsque nous avons des successions en déshérence, nous avons l'habitude de dire à un maire,
ce qui motive le maire dans sa, dans son opération de mécénat populaire. Pour 1 euro collecté dans le cadre du mécénat, nous, fondation, nous serons en capacité de mettre 30 centimes, 50 centimes, 1 euro correspondant. Donc il y a un effet multiplicateur, il y a un effet de développement de la ressource financière. En l'absence de cette capacité de la Fondation du Patrimoine, non seulement vous freinez le résultat de, la, de l'opération de souscription, parce qu'il y a moins de motivation à développer des ressources, mais en plus, le maire perd une partie de ce financement. Une partie de son financement. Ouais, voilà. Donc la souscription reste un moyen efficace qui démontre que nous arrivons encore à trouver de l'argent, mais parce que nous avons une fiscalité qui permet à nos concitoyens... Bah oui. C'est-à-dire que si jamais un jour on décidait que c'était une niche fiscale, ou en tout cas, on le supprimera. On le supprime. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je tiens à dire que c'est une très mauvaise nouvelle d'entendre que l'on cherche à faire les poches de la Fondation du Patrimoine. Pour nous, les entreprises de restauration de monuments historiques, c'est la confirmation d'un désengagement et d'un désintérêt des pouvoirs publics et des collectivités, des politiques publiques envers le patrimoine, ou tout du moins d'arbitrages qui sont faits à très court terme et avec un manque de vision long terme. Et pour nous, le signal qu'on enregistre, qui est très récent, de voir que les fonctionnements et les fonds alloués à la Fondation ont l'air de diminuer, ça confirme en fait pour nous, les entreprises, que ça va mal et qu'on cherche même à retirer maintenant des moyens à des cellules qui représentaient des compléments d'activité et des compléments de fonctionnement parallèles à ce qu'était déjà le ministère de la Culture. Donc c'est vraiment, vraiment une mauvaise nouvelle. C'est très mauvaise nouvelle. J'imagine que pour vous aussi. Pour tous les acteurs du patrimoine, c'est une mauvaise nouvelle. Les entreprises, donc GMH, qui sont représentées là. Puis pour tous les petits acteurs, jusqu'à l'artisan, les entreprises de services, parce que l'architecte n'est jamais seul. Il est entouré d'historiens, il est entouré de bureaux d'études techniques. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour nous tous, oui. Sur les entreprises, vous m'avez dit tout à l'heure, rappelez-nous le nombre d'entreprises. Est-ce que vous avez le nombre de salariés ? 200. On a atteint les 200 entreprises et on représente 9000 emplois directs. En ce moment, plutôt en destruction d'emplois, puisqu'on on vit une période depuis 2 ans de grandes difficultés, de grandes souffrances, et on a beaucoup de nos adhérents qui sont en phase de réduction de personnel, de licenciement. On a perdu des adhérents par disparition d'entreprise. On peut estimer que sur les 2 dernières années, il a été détruit dans ce métier environ 300 emplois. 300 emplois spécialisés et qui seront très durs à recréer. C'est des emplois, c'est pas de l'emploi sans vouloir dénigrer, mais c'est de l'emploi ultra qualifié. C'est de l'emploi très qualifié qui a été détruit et qui sera très long à retrouver. En plus, nos entreprises formaient beaucoup d'apprentis. Et forcément, elles doivent faire des arbitrages pour conserver les premiers emplois. Donc, on enregistre une baisse énorme de l'apprentissage dans toutes nos entreprises. Alors là, on a vu que ça avait frappé récemment la crise de l'apprentissage, que beaucoup de gens sont très surpris dans le monde politique. Comment se fait-il que les apprentis, on n'arrive plus à en faire ? Pourquoi ? Ils comprennent plus, mais voilà, ils comprennent pas que si les entreprises vont mal et s'il n'y a pas d'incitation à l'apprentissage, il n'y aura pas d'apprentissage du tout. Comment expliquez-vous ce désintérêt ou ce désengagement ? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on n'a plus de sous, pour parler crûment, et que bon, on cherche des sous partout et voilà ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Il n'y a plus de sous, oui, mais il y a des arbitrages totalement aberrants où on voit bien que le monde politique vit dans des cycles de retour sur investissement ultra court, qu'il faut tout de suite avoir de l'action immédiate sur quelque chose qu'on décide, et que le patrimoine... Pour investir, quand on investit 1 euro, on dit que ça rapporte 5, 10, 15 euros, mais ça ne rapporte pas en 1 an, ça ne rapporte pas en 2 ans. Les euros investis dans le patrimoine rapportent au bout de nombreuses années. Et c'est une politique qui, finalement, une vision à très très long terme qui échappe aujourd'hui à l'homme politique moyen dans sa lutte quotidienne. C'est pas du visible. C'est pas immédiat. C'est pas immédiat. Mais mine de rien, quand on restaure du patrimoine, on le voit tout de suite. Enfin, si vous allez, on est tous des touristes, on va tous dans des endroits où il y a du patrimoine, on va voir ce patrimoine, on va le visiter. Est-ce qu'il y a une mobilité ? Comment se fait-il finalement que le grand public qui est demandeur, il y a des émissions de télévision, on entend parler beaucoup de patrimoine avec des animateurs célèbres. Comment ça se fait qu'on n'ait pas justement ce même intérêt des politiques pour le patrimoine ? Est-ce qu'il y a une explication ? C'est assez curieux, cette cécité, voire cette surdité. Moi, je suis très, très frappé par la difficulté que nous avons, tous les acteurs réunis, architectes, GMH, fondations, mais d'autres organisations
du patrimoine. Nous savons qu'un euro investi dans le patrimoine par ces organisations produit entre 4 et 5 euros de travaux engagés et donc de chiffre d'affaires pour les entreprises dites du bâtiment ou du patrimoine. Donc nous connaissons les chiffres. On a même des chiffres extrêmement précis sur, par département, depuis 2010, le nombre de projets soutenus, le nombre d'emplois maintenus ou créés, le nombre de chiffres d'affaires dégagés, le montant des travaux engagés. Donc tout ça est connu. Ce qui est très curieux, c'est qu'en réalité, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Et je trouve ça extrêmement curieux dans notre société de l'urgence, de l'hypermédiatisation, de la rapidité, de l'immédiat, qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Alors évidemment, vous avez des grandes personnalités, permettez-moi de les citer, Stéphane Bern, Franck Ferrand ou d'autres, qui ont une très grande conscience de la nécessité de faire rejaillir dans le monde médiatique ce temps long du patrimoine, ce temps de l'histoire, ce temps de la mémoire partagée. Mais je suis quand même extrêmement surpris que ça ne frappe pas plus nos décideurs, alors que nous sentons, nous, sur le terrain, un engouement du public, du grand public, ça, c'est certain, c'est sûr, à l'égard de cette question. Et donc, il y a un vrai sujet de nature politique. Alors, on va dire un gros mot. Quand on parle de mémoire partagée, d'aucuns vous diraient que c'est une question d'identité. Bah oui, bah, il faut dire les choses. Voilà, quand on restaure une église, une chapelle, une halle, on parle d'identité locale. On parle de métier, on parle de mémoire partagée, on parle d'identité. Bah oui, il faut le dire. Alors, est-ce que c'est cette raison-là? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet d'interrogation. Sur cette question d'un patrimoine qui donne une identité et qui peut être... alors un mot tabou, c'est ça, hein? Oh, un gros mot. Un gros mot. Non, un gros mot aujourd'hui. On parle d'identité, c'est un gros mot. C'est pourtant le premier moyen d'accès à la culture, le patrimoine, surtout dans les régions, puisque souvent on voit dans les politiques qu'on veut absolument la culture pour tous, la culture partout, oui, ça, l'accès à la culture. C'est le musée sur les modes anciens, de tradition. On est quand même... on voit beaucoup ça, enfin c'est presque à la limite, pour ne rien cacher, des fois moi je me dis mais on pourrait aussi parler des métiers modernes, mais dans les villages vous avez toujours les métiers anciens. Mmh. Et alors du coup on s'intéresse beaucoup à ce patrimoine là sans jamais les politiques s'y intéressent beaucoup, ils ont vraiment très envie d'en parler et du coup on ne finance pas quand même. Il y a un paradoxe. Oui, il y a un très grand paradoxe. On finance globalement et finalement un peu, mais on n'en parle pas. Et puis, vous savez, il n'y a pas d'opposition entre le passé, le présent et ce qui va arriver. C'est une continuité dans le temps et dans l'espace. Quand vous formez un compagnon qui fait un tour de France, il va apprendre toutes les techniques de son métier. Il va apprendre des techniques modernes, il va apprendre des techniques anciennes. Et donc, pourquoi opposer systématiquement ce qui semblerait être poussiéreux et un peu suranné, et puis par ailleurs promouvoir d'autres choses? Je crois qu'il faut englober cette approche du patrimoine dans une totalité, avec tous les bienfaits économiques que ça produit, sans opposer tradition à autre chose. Non. On cite l'apprentissage, mais l'apprentissage n'est jamais que la version moderne du compagnon. Le compagnon, il avait un maître. Oui. Il taillait sa pierre au même titre que les règles de l'apprentissage le font aujourd'hui. Il n'y a pas d'opposition, vous savez, c'est une longue continuité dans le temps et dans l'espace, nos pratiques. Simplement, on met derrière les mots patrimoine un certain nombre de connotations ou d'acceptions qui font regarder les choses avec une sorte d'idée un peu poussiéreuse. Mais pas du tout, c'est d'une très grande modernité, le patrimoine, c'est ce qu'il faut dire. C'est d'une très grande modernité. C'est d'une grande modernité et on en a besoin, de toute façon, on va le rechercher. Bien alors, sûr. Il nous reste 5 bonnes minutes. On a fait un bilan très négatif, là, pour le coup. On va essayer d'être... je ne sais pas si on va essayer d'être positif, mais en tout cas, de dire comment on peut arranger les choses et quelles seraient les sources de financement aujourd'hui, nouvelles, pour à la fois sauver la Fondation du patrimoine et sauver le patrimoine, tout simplement. Comment voyez-vous l'avenir, alors, qui est là, pour le coup, très sombre en description, mais essayons de voir un petit peu... quel type de nouveau financement, vous, architecte, par exemple, vous souhaiteriez pour pouvoir faire avancer les choses et éventuellement ce que vous pouvez voir venir? Alors, déjà. C'est vrai que là, on a un peu plombé l'avenir, mais on peut quand même rappeler que sur le terrain, les projets se réalisent. Alors certes, le temps est plus long. On rajoute sans cesse des acteurs. Déjà, l'action dans le champ du patrimoine est compliquée et assez tortueuse parce qu'on a la DRAC, on a beaucoup d'interlocuteurs, en plus de la construction classique, je vais dire. Mais je crois qu'on a la chance d'avoir un maillage sur le terrain d'associations
qui peuvent beaucoup nous aider et par ce biais-là aider les gens qui n'ont pas forcément accès à tout ce qu'on connaît nous, la Fondation du patrimoine, etc. Donc je crois qu'on peut quand même dire qu'il y a des gens et qui sont d'ailleurs représentés là au Salon du patrimoine à l'heure où nous parlons, les vieilles maisons françaises, maisons paysannes de France, etc. Voilà. Beaucoup de gens s'intéressent au patrimoine et ces gens-là peuvent vous aider dans des financements ? Qui peuvent aider les gens qui ne savent pas par où le prendre, parce que là, nous, on sait, on parle en sachant, on sait à quelle porte sonner pour restaurer son mur de clôture ou son portail, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc je crois qu'il faut aussi s'appuyer sur ce réseau et c'est peut-être aussi porteur, ou en tout cas vecteur de développement. De votre côté, vous, entreprise, quelles sources de financement voyez-vous pour restaurer ce patrimoine ? Alors, les entreprises du GMH ont à une époque milité, mais c'était peut-être un peu candide pour un loto, un tirage spécial du loto pour les journées du patrimoine. Mais évidemment, tout le monde veut son tirage spécial du loto, la médecine, le patrimoine. Donc finalement, on nous avait clairement dit... c'est un téléthon du patrimoine, on pourrait imaginer. Vous parliez de Stéphane Bern tout à l'heure. Plus d'implication peut-être des touristes, puisque les touristes, il y a énormément... La France est redevenue quand même la première destination mondiale. Les touristes à la mode anglo-saxonne pourraient très bien adhérer à des fondations de monuments, à être les amis du musée Intel, les amis de la ville de ceci. On ne propose pas aux touristes qui viennent dormir dans une ville, qui viennent voir un musée, de devenir les amis de ce musée, de participer et de récolter des fonds, de donner et puis de participer à la restauration. Ça, c'est pas demandé. Il y a peut-être des choses de la sorte à mettre en place. Et puis, il y avait des financements alternatifs. Je disais, c'était une mauvaise nouvelle. L'action alternative que menait la Fondation du patrimoine et qui est menacée aujourd'hui donne quand même... Voilà, j'aurais dit avant, il y a quelques semaines ou quelques mois, on aurait dit la Fondation du patrimoine est un mode de financement et un mode d'accompagnement alternatif intéressant. Il faut qu'elle le reste. Il faut qu'elle le reste. De votre côté, mis à part ce gros problème qui vous touche actuellement, est-ce que ce type d'action auprès des touristes, par exemple, peut, de votre point de vue, être intéressant ? Alors moi, je suis d'abord partisan du diagnostic. Avant de trouver des solutions, je crois que ce n'est pas aux acteurs d'abord de s'ériger en politique. Moi, je crois à la verticalité. Il y a une autorité. Cette autorité, c'est le politique. C'est à lui, dans le cadre de l'élection, avec toute sa légitimité, de poser la question de la solution. Il nous appartient à nous, acteurs du patrimoine, entreprises, architectes, fondations et autres organisations patrimoniales, de poser les termes du débat et de poser les termes du diagnostic. Voilà. Il faut montrer que le patrimoine constitue non pas seulement une richesse, mais une valeur. Une richesse parce qu'évidemment, ça permet d'en créer et ça permet de la partager, mais une valeur parce que ça permet aussi de développer un certain nombre de choses sur le plan local. Et Dieu sait que le désert français progressera encore si on n'arrête pas cette hémorragie de la gestion du patrimoine. Donc il faut poser les termes du débat et il faut chiffrer les termes du débat. Il faut mettre en face de la problématique le gain économique réel, le gain social réel que l'action dans le domaine du patrimoine peut apporter en termes de développement des territoires et de revitalisation des territoires. Une fois qu'on a posé ces termes-là, en termes de diagnostic, c'est aux politiques de prendre ses responsabilités. Et c'est aux politiques de faire des choix et d'arbitrer. Et quand on arbitre, on choisit et on renonce à un certain nombre de choses, mais on arbitre en faveur d'un nombre de choses. Voilà. Donc, de votre point de vue, il faudrait quasiment tout remettre à plat aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faut qu'on se pose très clairement la question de la fiscalité. On ne peut pas continuer à avoir une épée de Damoclès où systématiquement, tous les ans, on se demande si le label de la Fondation, par exemple, va être maintenu. Donc il faut se poser les questions de fiscalité, il faut sanctuariser un certain nombre de choses. Et encore une fois, il faut regarder l'intérêt que le maintien de ces dispositifs produise en termes de création de richesse sur le plan local. Voilà, c'est une question de diagnostic. C'est pas que de la richesse économique, c'est aussi de la richesse de partage. Mais c'est aussi tout un ensemble de valeurs. Bien sûr. Quand vous regardez un bâtiment qui a été restauré dans les règles de l'art avec... l'esthétique, l'harmonie de ce bâtiment, la mémoire qu'il porte avec lui et l'histoire qu'il nous permet de partager, c'est évidemment pas que des richesses économiques, c'est aussi des valeurs qui se transmettent aux générations futures pour apprendre le beau, pour apprendre l'esthétique, pour apprendre la tradition, la transmission. Et ça, c'est essentiel. Ça n'a pas de prix.
Ce sera votre conclusion. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion par rapport à ce petit débat, donc qui, au départ, était assez... était voulu justement pour essayer de trouver des nouvelles modes de financement. Donc, l'idée, vous, derrière, pour votre activité, qu'est-ce qui serait important ? Est-ce qu'il y a, vous avez beaucoup parlé de complications de temps. Est-ce qu'il faudrait aussi une simplification administrative ? Non, ce n'est pas forcément une simplification administrative. Aujourd'hui, elle est complexe parce que dans le patrimoine, on a en plus le code du patrimoine, en plus des autres codes. Mais effectivement, comme disait mon voisin tout à l'heure, c'est vrai qu'on a ce qui est paradoxal, c'est cet engouement populaire pour le patrimoine qui n'existait pas, je crois, il y a 10 ans. En fait. Oui, parce que quand on voit les journées du patrimoine, c'est plus qu'une réussite. Exactement. C'est donc formidable. Peut-être miser là-dessus et comme on disait, c'est peut-être aux politiques à se pencher sur... voilà. Donc appel aux politiques à se mobiliser, voilà, et à voir ce paradoxe qu'il y a à abandonner d'un côté le patrimoine au plan du financement et à avoir l'engouement populaire pour ce patrimoine. Oui, parce qu'on parle d'identité, on parle de territoire, on parle d'entreprises qui souffrent, on parle d'architectes qui ont moins de travail, mais il y a aussi la perte de savoir-faire et ça c'est irréversible. Donc il faut se poser aussi les questions aussi voilà, sur les savoir-faire, les compétences et notre identité locale, celle des territoires. Qui a son importance. Exactement. Oui, je suis assez d'accord pour dire que de toute façon, l'action passe par le politique. Je partage l'idée de verticalité. On va même parfois, nous, au sein du GMH, à dire que la protection et la gestion du patrimoine doit rester une prérogative régalienne. L'État s'est un peu désengagé vite de beaucoup de choses sans que vraiment les collectivités étaient toutes prêtes à prendre le relais. Et je pense qu'il faut peut-être remettre des choses à plat, rechanger le discours... peut-être faire exprimer autrement tous les enjeux, tous les impacts que le patrimoine et la conservation et sa conservation peuvent avoir sur le tourisme, tout ce que ça peut avoir sur voilà l'unité nationale, sur l'esprit artistique, toutes ces choses-là, peut-être à remettre sur la table différemment, à réexprimer différemment, mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir de solution sans décision politique et sans action politique forte. Donc appel aux politiques. Merci beaucoup pour cette petite table ronde qui, ma foi, j'espère que la prochaine fois que je vous verrai, ce sera un peu plus heureux. Ce sera pour des bonnes nouvelles. Merci. Merci.